Coucou, me revoilà. Donc aujourd'hui, je veux te montrer un simple exercice que tu peux faire quand tu as beaucoup de tensions ici. Et symboliquement, les tensions qui se trouvent au niveau de tes épaules, c'est le poids et les responsabilités que tu portes. Donc la première chose qu'on va faire symboliquement, tu vas mettre toutes ces... Donc tu fermes tes yeux, tu mets toutes ces responsabilités et tout ce poids. Tu le prends, boum. Tu mets ça dans une valise et tu déposes cette valise. OK? Juste symboliquement, dans l'imaginaire, ton inconscient ne va pas, ne connaît pas cette différence. Oui? Donc, tu fais ça vraiment en conscience. Je prends tout le poids, je prends toutes les responsabilités. Vont dans une valise et j'ai le droit de déposer cette valise. Après, je peux le reprendre, ce poids. Mais j'ai le droit à le déposer de temps en temps et je fais ça en conscience. OK? Bon, voilà. La valise est déposée. Et ce que tu vas faire, que tu sois assis au bureau ou assis n'importe, juste tourner ici. Et alors, ce qui est important pour la plupart des femmes, ce n'est pas ça ici. Ça, ça va bien. Ce qui est important, c'est ce que je fais ici, derrière. C'est tes omoplates, tu vas les cliquer comme si tu allais mettre un manteau au vestiaire. Oui, hop, hop, en bas. Hop, hop. En bas, donc devant, en haut, en bas, devant, en haut, en bas. Super important à faire ça. Tu peux évidemment après faire une épaule après l'autre. Attention que tu ne que toute cette partie de ton corps a le droit d'aller avec le mouvement. Tu ne veux pas faire comme ça. Tu vois la différence? Là, je fais les épaules. Là, je bouge carrément tout le haut du corps. Et donc, tout le haut du corps, même les poumons, tu sens ça au niveau de ta respiration, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et passer derrière en bas. Derrière en bas. Derrière en bas. En haut, tomber. En haut, tomber. En haut, tomber. Et donc, vraiment faire ça le plus souvent possible parce que beaucoup, beaucoup de femmes portent toutes les responsabilités du monde entier, certainement de leurs enfants, de leurs, comment on appelle ça, collègues au travail, de leur mari, n'importe, toutes les responsabilités qui ne t'appartiennent pas, que toi tu as pris. C'est toi qui les as mis là-haut. Hein. Peut-être tu as l'impression que les autres ont fait ça, mais est-ce que tu avais le droit de dire non? Est-ce que tu pouvais dire non? Pose-toi la question. Souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas dire non. Mais quand on a l'impression de ne pas pouvoir dire non, c'est parce qu'on a peur de autre chose. Et cette peur, on en a déjà travaillé sur les autres vidéos que j'ai publiées. Donc, les épaules, quelque chose de super important. Le dos, c'est ton passé. Si ça te fait très mal, si tu te sens très bloqué, tu peux prendre rendez-vous avec moi. On peut regarder ce qui se passe, ce qui se cache là derrière. Mais attention, ton corps, il parle. Comme je travaille, donc je m'appelle Gudrun pour celles qui ne me connaissent pas, et je travaille avec les femmes sur la connexion et la magie du féminin sacré. Comme le corps est notre outil qui parle et qui nous raconte l'histoire que nous avons vécue. C'est assez visible, une fois qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, de vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Crie au secours. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur n'a pas été nourri? Et là, il est temps que tu le nourrisses. Il est temps que tu te mettes en route. Et probablement, si tu es toujours encore là en train de regarder ce que je fais, c'est que tu as cette soif à l'intérieur. Tu cherches. Et ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Je te le garantis. Voilà, je te souhaite une super bonne journée et j'espère que ces quelques petits exercices te font du bien.